This film with Sidney Lumet, of course, Michael Jackson was not very well known in Europe, and now it's a fabulous star. How did you explain the extraordinary success of Michael Jackson around the world? Comment vous expliquez le succès incroyable de Jackson depuis? Well, to me, Michael is brilliant, and he's just as a little boy growing into his talent. Voilà, il a grandi brillant, il est resté, il a commencé avec les Jackson 5, il a grandi sur scène comme beaucoup de showmen américains. If he's grown from where starting to being a big success now, where will he be, you know, in the future? Oui, alors s'il est une star maintenant, qu'est-ce que ça va être quand il sera encore plus grand? Mais c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Comment vous expliquez ça, vous, Mireille? Je voudrais vous dire, Michel, j'ai vu beaucoup de shows de Diana et chaque fois ses invités étaient Michael Jackson. Et je me souviens d'un show où elle disait « Maintenant, voici mon baby ». Et je crois que Michael Jackson disait, c'est vraiment, Diana l'a épaulé, l'a aidé, a cru en lui. Et je crois que Michael Jackson est né comme ça. Il est né avec le talent, il avait ça en lui. Et il mérite, c'est une chance qu'il mérite parce qu'il est comme ça. Merci. C'est la même chose. Il pense qu'il est born with talent. Yes, bon, alors vous êtes en France pour préparer, pour monter, comme l'on dit, un film qui vous tient beaucoup à cœur, c'est La vie de Joséphine Baker, qui sera une coproduction dans laquelle la France et la chaîne que je représente, Antenne 2, sera donc directement concernée. C'est La vie de Joséphine Baker. Pourquoi vous avez voulu incarner Joséphine Baker et tourner le film de La vie de Joséphine Baker? Why Joséphine Baker? Joséphine was, to me, a bigger than life star. Oui, c'était une des plus grandes stars, peut-être la plus grande. And her life was filled with such ups and downs. Oui, sa vie a été marquée par des hauts et des bas. And to always be a major success, a major star. Oui. It was very interesting to me to play her life. She C'était très intéressant pour elle d'incarner Joséphine Baker. C'est une femme généreuse. And decided to make her own world by adopting the 12 children. Oui, elle a décidé, elle a mené sa vie, sa vie a été guidée par sa bonté, sa générosité, puisqu'on sait qu'elle a élevé beaucoup d'enfants de nationalités toutes différentes. Mais je voudrais que vous me racontiez, si vous l'avez déjà rencontrée, et dans quelles circonstances. You met him before? I had two meetings of Josephine. Elle a rencontré deux fois Joséphine Baker. The first time, the last time was the most interesting for me, but the first time... La dernière est la plus intéressante, mais la première mérite également d'être racontée. Was when I was winning, I won the César. Lorsque vous êtes venu en France pour recevoir le César, j'essaie de traduire, c'est pas facile, le César de la meilleure actrice de l'année pour Lady Sings the Blues, oui. Yes. And the audience stood up for me, and I stood up. Oui, and they would not leave until I left. C'est ça. Et à la fin de la cérémonie, de la cérémonie des Césars, le public attendait que Diana Ross, la reine de la soirée, se lève pour la suivre, par politesse. And then, without my noticing, Josephine rose and walked out in front of me. Voilà. Et à ce moment-là, Joséphine Baker s'est levée la première. It felt as if the applause was for her and not for me. Voilà. et elle dit que c'était sans doute pour lui voler le show, car effectivement, les applaudissements sont allés vers Joséphine Baker. Yes. La seconde fois. The second time was in Los Angeles. I went to see a performance of her in a hotel. Alors la deuxième fois, c'était lors de la dernière tournée américaine de Joséphine Baker. C'était dans un grand hôtel Los Angeles. Sitting, waiting for her to come on stage. Oui, elle était donc dans la rue, était assise en attendant que le show commence. She surprises everyone by coming from the front door. Voilà, elle a surpris tout le monde en arrivant, ce qui se fait souvent dans les shows aux États-Unis, derrière le public, dans la salle, par l'arrière-salle, oui. And we hear the music, no Josephine, and then you see her in the back. On entendait la musique et on l'a vu arriver dans notre dos. She's coming through the room. Oui, elle s'est faufilée entre les tables. And she comes straight to me. Elle est allée directement vers Diana Ross. And she grabs my hair like this. Voilà, elle lui a pris les cheveux qu'elle a tiré vers l'arrière. She stares in my eyes. Elle a regardé ses yeux. Et elle est partie. That's all. Say nothing. Yes. Voilà, elle n'a rien dit. C'est lourd de signification, ces deux rencontres. Hein. Et Mireille a quelque chose à vous dire maintenant. Oui, I have a present for you. I sing home in French. The title is chez moi. Je vais essayer. Je vous remercie. Thank you very much. Bye bye. Listen to you. Thank you very much. Et Diana Ross va rester d'ailleurs pour écouter Mireille chanter Quincy Jones, car c'est lui qui a écrit cette chanson. Alors Home, c'était le titre anglais, la chanson de Wiz de Sidney Lumet, et en français c'est chez moi. Nous écoutons Mireille Mathieu. Thank you very much. Thank you. I'm very proud to welcome you. Je serais très fier de vous accueillir. Merci. Thank you.